Hello tout le monde, bienvenue au nouveau French for Break de septembre 2022. Donc nous avons l'honneur, le privilège d'avoir Tristan et Clotilde pour ce petit webinaire. Vous pouvez dire bonjour à tout Bonjour à tous. le monde. Bonjour à Bonjour. tous. Alors, petit préambule rapide avant qu'on commence dans le vif du sujet. Donc je diffuse mon petit écran. Alors, on va partir du plus récent au plus ancien. Donc, vous avez, pour rappel, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, on en profite encore puisque c'est dans quelques heures maintenant. Donc, vous avez le Power 365 hein, qui est diffusé à Lille, dans le stade Pierre-Mauroy. Je crois qu'il n'y a plus de place en physique, si je ne dis pas de bêtises, David. Non, les... on peut juste s'inscrire en physique, mais tout est disponible en ligne. Donc pour ceux qui n'ont pas pu venir, peuvent toujours suivre l'événement en ligne. Voilà, donc vous avez pas mal de petites sessions sympas. J'en profite parce que comme je suis speaker, je fais ma propre publicité. Mais donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, il y a pas mal de sessions intéressantes. Donc voilà, vous pouvez, comme disait David, vous inscrire toujours en ligne puisqu'il n'y a plus de place physique. Mais voilà, c'est un événement dans les Hauts-de-France et donc voilà, c'est demain. Donc avec la chère grève qu'il y aura demain, de toute façon, je pense voilà, les gens qui veulent regarder en ligne, je pense seront content de, voilà, de suivre ces sessions. Et puis, j'en profite en avant-première. C'est un peu plus lointain, mais quand même, ça arrive vite. C'est donc bien sûr le fameux PPFS, donc le PPFS 2022, troisième édition cette année. Eh bien, pour ceux qui regardent le webinaire en ce moment live, profitez-en avant que la masse de monde s'inscrive. Donc, l'événement aura lieu en physique chez Microsoft France. Et on a voilà, un nombre limité quand même de places. Donc, alors, l'info a un peu fuité apparemment. Il y a quelques inscriptions qui ont eu lieu. L'idée qu'on avait, c'était plutôt après Power 365 de, voilà, de communiquer que les inscriptions sont ouvertes, que l'agenda est disponible. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. Donc vous pouvez vous inscrire en physique, bien sûr. Il suffit de cliquer sur inscription. Pas trop compliqué, je pense. Et puis après. Vous allez dans je m'inscris. Voilà. On a juste, quand j'en profite un petit peu en préambule, on a rendu les éléments payants pour le physique, pour voilà, une somme assez, voilà, assez réduite pour, voilà, pour supporter notamment alors, entre guillemets, les frais, mais alors plus pour éviter, en fait, vous savez, les gens qui s'inscrivent en physique mais qui ne viennent pas, ce qu'on appelle le fameux no-show. Donc voilà, on demande une petite participation, sachant qu'en plus cette participation on reviendra à une association dans ce qui est environnement pour éviter tout ce qui est gaspillage. Donc voilà, on demande une petite somme de 10 euros si je m'abuse, mais sachant en plus que l'événement reste gratuit pour l'événement complètement en ligne si vous, voilà, si vous ne souhaitez pas voilà, payer quelque chose. Et voilà, donc mode hybride comme j'ai envie de dire maintenant, un peu comme partout. Voilà, donc. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire et l'agenda est quasiment finalisé. Voilà, il reste deux, trois petites choses à fignoler. Mais donc vous avez voilà, autour du 15 octobre, on aura l'agenda final. Mais voilà, vous pouvez déjà vous inscrire. Et je pense, a priori, dépêchez-vous. Voilà, je vais pas mettre la pression, mais sachant que l'info avait sûrement fuité, on a déjà eu une vingtaine ou une trentaine d'inscriptions. Voilà, l'événement du centre de conférence Microsoft France ne fait pas 10 000 mètres carrés, donc voilà, on a forcément un nombre de places restreintes en physique. Voilà, je passe l'info à David. Oui. Tac. Donc, le French Power Break d'aujourd'hui, on a deux invités. On a Clotilde et Tristan. Donc, Clotilde qui va nous parler d'accessibilité, astuces, bonnes pratiques autour d'applications Power Apps. Et Tristan qui va nous parler de Power BI et comment analyser 300 millions de lignes avec Power BI. Donc, le French Power Break, c'est toujours, il y a toujours deux speakers, 20 minutes chacun. C'est interactif, vous pouvez poser des questions. C'est organisé par la Biceps French Community, dont nous faisons partie, Aurélien et moi, et en partenariat avec le PPFC, donc la communauté française autour de la Power Platform, où si vous avez des questions et des problématiques, posez des questions. Il y a de plus en plus de monde qui y participe. Et en général, ça répond très très rapidement et en français. Et c'est vraiment top.
Tout le monde peut participer au French Power Break. Il suffit juste de déposer ses soumissions de candidature de session. Donc, comme pour le PPFS, hein, d'ailleurs, vous pouvez participer aux deux, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on vous recontacte dans les plus brefs délais pour vous positionner dans l'agenda chaque mercredi à 13h, chaque dernier mercredi du mois à 13h. Voilà. Donc, événement French Power Break, le PPFS, on vient d'en parler, je ne vais pas m'attarder dessus. L'année dernière, il y avait quand même plus de 2000 participants, 80 speakers. Je pense que cette année, on devrait encore battre quelques records. Voilà. Et je passe la main à Clotilde. Donc, Clotilde, je vais te laisser partager ton écran. Et ben, c'est à toi. Et tu as 20 minutes. Tac. Hop. Parfait. Vous voyez bien mon écran ? Ouais, parfait. Très bien. Hop. Du coup, donc, l'idée, c'est de parler accessibilité, de vous donner quelques astuces, bonnes pratiques. En 20 minutes, on ne pourra pas tout voir, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, d'abord, qu'est-ce que un petit rappel sur l'accessibilité numérique. Donc, le but de l'accessibilité numérique, c'est de mettre à disposition des solutions numériques qui assurent une utilisation indépendamment des capacités ou des préférences des utilisateurs. En effet, l'accessibilité numérique, on a tendance à penser uniquement handicap permanent. Sauf que finalement, le handicap permanent, c'est quand même c'est énorme. 20% de la population française, et si on ajoute à cela tout ce qui est handicap temporaire, par exemple le plâtre pour une personne qui a un handicap sur un bras, le temporaire, il peut avoir le bras plâtré, et il y a aussi tout ce qui est... accessibilité avec réduite avec des handicaps de situation, comme par exemple un nouveau parent avec un enfant dans ses bras qui va avoir une utilisation du coup à une main, une application ou autre. Donc, tout ça sur du coup 5 critères, donc tout ce qui est vision, enfin tout ce qui est toucher, vision, entente, la parole et après aussi tout ce qui est comportemental. Donc, c'est pas, faut pas forcément viser que l'accessibilité sur l'handicap permanent, parce que si on ajoute tout ça, finalement, on touche beaucoup de personnes en tenant compte de l'accessibilité. Sur l'accessibilité, il y a quelques règles. Donc, le WCAG, on est à la version 2.1. Et donc, c'est une norme internationale qui touche toutes les applications et tous les sites numériques aujourd'hui. Et la norme RGAA, pardon, qui est une norme française. Donc les deux touchent l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, il y a très peu de contrôles et de sites qui répondent à ces normes, sauf que demain, ça deviendra une obligation et il y aura certainement des pénalités sur le non-respect de ces normes. En termes de bonnes pratiques globales sur tout ce qui est accessibilité, donc ça va être tenir compte du design inclusif, donc travailler avec les designers pour que l'application soit jolie, mais aussi au plus facile pour l'utilisateur. La règle des 3 clics. Donc, elle est assez connue. L'objectif, ça va être d'arriver à l'information en 3 clics maximum. Donc, éviter les sous-menus, et, etc., notamment dans les sites Internet ou dans les applications. Pareil, il faut qu'en 3 clics, on ait l'information. Faire attention au contraste des couleurs. Donc, j'y reviendrai juste après. La taille des éléments. Pas mettre des éléments trop gros ni trop petits. Il y a des tailles à respecter. Généralement, on part sur 3 tailles, une taille pour les titres, une taille pour les sous-titres et une taille pour les éléments. Et la disposition des éléments, parce que on sait qu'il y a un sens de lecture qui est important dans tout ce qui est le sens de lecture. Donc, on commence en haut, on fait en haut à gauche la ligne, et ensuite on descend, et finalement, ce qui est ce qui est dans le coin en bas à droite, on le lit très peu. Ou ce n'est pas le premier élément qu'on lit. Donc, si en plus cet élément-là est en petit, forcément, on va le voir beaucoup moins.
Donc, dans le contraste des couleurs, il y a aussi, du coup, faire attention aux éléments. Par exemple, le feu rouge pour une personne qui est daltonienne, selon le type de daltonisme. Voilà comment il peut voir le feu. Donc là, forcément, le feu, c'est quelque chose qui est inclus dans notre quotidien, donc on sait l'ordre. On sait que le rouge sera toujours en haut, le orange au milieu, le vert en bas. Par contre, sur notre application, le rouge a toujours la... Il y a une symbolique aussi des couleurs, donc il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise. Mais le rouge n'est pas forcément en haut ou autre, donc c'est important du coup d'ajouter en plus du coup, des couleurs, d'ajouter un petit logo pour ajouter la signification qu'on souhaite. Donc, par exemple, là, une croix, un triangle, une flèche... pour le dire, parce que là, c'est connu suite à la position et parce que c'est vraiment un élément de notre quotidien. Par contre, si demain, dans une application, ce n'est pas le cas, ça sera compliqué pour une personne daltonienne de comprendre cette notion de couleur. Hop. Du coup, je vous ai fait 10 conseils rapides, 10 tips sur à tenir compte pour avoir une application accessible. Un premier niveau, parce que c'est vrai qu'il y a différents niveaux d'accessibilité sur les normes. Donc il y en a 3, il y a le A, le double A, le triple A. Et du coup, plus on monte, le simple A c'est le premier niveau, le double A c'est le niveau intermédiaire, et le triple A c'est une application avec un bon niveau d'accessibilité. Donc là, faire attention du coup aux éléments de couleur, donc, comme je disais tout à l'heure, donc aussi bien là sur les. Sur les informations, utiliser la couleur plus un logo différent. C'est aussi valable pardon, sur les courbes, par exemple, pour BI, ajouter un petit picto en plus de la couleur de la courbe pour que l'utilisateur, avec une couleur différente, puisse voir. Deuxième conseil, ça va être d'utiliser un outil pour vérifier du coup le contraste des couleurs. Donc, il y en a pas mal sur le marché. Là, je vous ai mis une capture, c'est Color Contrast Analyzer. Finalement, on lui met notre couleur de premier plan, notre couleur d'arrière-plan. Et en fait, il nous définit si ça respecte la norme double A ou la triple A. Il n'y a pas le premier A, parce que sur la norme du premier A, il n'y a pas ce critère de contraste des couleurs. Donc, c'est pas quelque chose qui est primordial. Après, là, souvent, on dépend forcément de la charte graphique de l'entreprise ou du client. Donc, c'est aussi, après, un choix à faire. Est-ce qu'il y a un besoin fort d'accessibilité? Dans ce cas-là, travailler avec le service de la com pour voir ce qu'on peut faire sur la charte pour avoir une application accessible. Donc, là, par exemple, vous voyez du rouge sur du gris. C'est pas assez, le ratio de contraste n'est pas assez élevé. Par contre, le bleu sur du jaune, là, le ratio de contraste est plus élevé. Dans ce cas-là, il est conforme au double A et au triple A. Voilà. Donc là, c'est le faire donc, au début du projet, ça permet de gagner du temps plutôt qu'après devoir repasser sur tous vos éléments pour changer les couleurs ou changer vos variables, les valeurs des variables. Autre point, donc vérifier la navigation par tabulation. Il y a des personnes qui n'utilisent pas la souris ou très peu parce qu'ils en ont la capacité ou... Par préférence, ils sont habitués à la navigation clavier et donc ils utilisent beaucoup les boutons du clavier, notamment le bouton tabulation pour si on a un formulaire assez complexe. Donc on peut redéfinir l'ordre avec la tabulation. Donc, par défaut, l'ordre se met au fur et à mesure où on ajoute les champs. Par contre, si après vous les modifiez, le champ qui était tout en bas, vous le passez en deuxième, cet ordre-là, il ne va pas se remettre à jour. Vous pouvez les redéfinir sur le table index. Et du coup, définir aussi un ordre précis s'il y a besoin de faire pas forcément les uns à la suite des autres ou autre. Donc, c'est la propriété table index sur Power Apps qui vous permet de faire ça. Ajouter un label, donc un accessible label cohérent pour toutes les images, les icônes, les galeries, etc. Donc, c'est dans la propriété accessible label. Ce label va être lu par les lecteurs d'écran. Donc, une personne qui utilise un lecteur d'écran donc, va lire toutes ces informations-là. Donc, par exemple, on ne lui met pas un test, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, on lui met, par exemple, si je ferai l'exemple tout à l'heure, si on a une carte de France, on lui met une carte de France représentant l'emplacement de et notre info,
qui nous précise du coup sur quel emplacement on a sélectionné, qui nous le rappelle. On peut faire ça. Pareil, là, si c'est juste une galerie d'informations, dans ce cas-là, on va lui mettre que c'est les types de congés et sans détail. Après, si ce n'est pas des informations, si c'est juste des éléments visuels qui n'ont aucun intérêt pour la personne, c'est juste graphique, ça ne sert à rien de surcharger, d'en mettre sur des icônes qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'ont pas d'action, qui sont juste visuelles, ça pourrait du coup lui faire perdre du temps et que ce soit plus compliqué pour lui la compréhension. Donc ça, après, tout ça, vous pouvez le tester avec en mettant sur Edge, en activant le lecteur d'écran, et du coup, il va vous dire tous ces textes-là sur les images. On évite, dans la mesure du possible, le code HTML qui est purement design, comme là, par exemple, l'exemple que je vous ai mis. Finalement, c'est juste un code HTML pour faire une bordure. Alors, pour le design, c'est très beau. On peut faire des bordures, des coins arrondis, un effet d'ombré. Par contre, en termes d'accessibilité, notamment pour les lecteurs d'écran, ça va être très compliqué parce que ce n'est pas interprétable correctement. Donc, s'il y a un besoin avec un lien ou autre, oui. Par contre, là, si c'est juste visuel, non, ça va être compliqué. Ça va brouiller l'utilisateur. Pareil sur la superposition des éléments. Le lecteur d'écran ne tient pas compte des différentes couches si vous superposez, notamment si vous faites des pop-up. Vous ajoutez des rectangles sur des rectangles, ça se fait. Il vaut mieux privilégier un écran, un deuxième écran avec uniquement la pop-up plutôt que afficher, mettre une variable et afficher uniquement vos informations avec si la variable est à true ou à false, parce que du coup, cette notion de superposition, le lecteur d'écran ne va pas la gérer. Donc, c'est juste qu'il lira en plus les éléments qui sont affichés, mais sinon, ils resteront, les éléments du dessous resteront visibles quand même. Concernant l'importance des textes, c'est pareil. Donc, sur le web, c'est connu, il y a des balises H1, H2, H3. Sur PowerApps, ça existe aussi. Donc, on a dans la définition rôle, un texte role point, et du coup si c'est du H1, H2, H3, H4, et ça nous permet du coup de définir la priorité des textes, donc notamment un titre, forcément il va être en H1, un sous-titre en H2, et ainsi de suite. On va pouvoir aller en sous-menu comme ça. L'intérêt, ça va être aussi du coup de dire au lecteur d'écran ou autre quel texte et prioritaire, et lequel doit lire en premier. Il va forcément lire les H1, parce que pour lui, ils sont plus importants qu'un H4. Donc ça, par défaut, ils sont tous au même niveau, ils sont default. Donc bien les redéfinir sur les éléments qui sont importants selon vous. Nommer son écran avec un nom compréhensible. Par défaut, quand on crée un écran, il s'appelle Screen 1, Screen 2, Screen 3. Tendance de développeurs à créer sans espace en mettant par exemple là le screen région. Le lecteur d'écran, pour les personnes qui en utilisent, va lire ce nom en disant vous êtes sur l'écran screen région. Donc là, bon, le screen région est compréhensible. Mais voilà, des deux, vaut mieux lui nommer écran des régions s'il a un besoin d'accessibilité. Voilà. On accorde aussi de l'importance sur le focus des éléments. Donc, ça rejoint l'aspect contraste de tout à l'heure. Sur le fait qu'on fait attention au contraste des éléments, mais aussi pour voir là où on est actuellement. Sur la tabulation, on ne sera pas forcément avec le clic de la souris. Donc, c'est vrai qu'avec la souris, on a le pointeur. Si on navigue à la tabulation, des personnes qui naviguent à la tabulation vont faire beaucoup plus attention au focus plutôt qu'à la souris, parce qu'elle ne sera pas forcément au bon endroit. Donc là, vous pouvez redéfinir les éléments de focus dans la partie avancée et du coup, définir une couleur de bordure et une taille.
un neuvième point, donc on limite l'utilisation de messages interactifs, donc notamment le Notify, qui est utilisé aussi bien en tant qu'information, erreur, succès. Pourquoi le limiter? Parce qu'en fait, l'utilisateur va être bloqué pendant le temps d'affichage de cette notification. Si on l'utilise, un utilisateur l'utilise sur un PC ou une tablette sans souci, le message s'affiche et on peut continuer à faire d'autres actions. Quand on utilise un lecteur d'écran, ce message bloque, l'écran est figé. Il ne peut pas faire d'autres actions en attendant. Tout le temps que ce message est affiché, il prend le dessus. Donc, d'où l'importance de bien faire attention à ces notifiables. On peut en mettre, mais vraiment, du coup, on le limite à vraiment des messages importants. On ne va pas en mettre sur tous les écrans et à chaque action. Et du coup, tout ce que je vous ai dit, vous retrouvez toutes ces informations dans la partie App Checker de Power Apps, qui est visible en haut à droite. Vous avez ce petite icône et dedans, donc c'est l'App Checker. Vous retrouverez dans la partie accessibilité différents critères qui sont regroupés en erreurs, en warning, en tips. Vous voyez, il parle d'accessible label, il parle de focus border, d'accessible label sur les URL. Le nom d'écran et l'ordre sur le table index. Donc finalement, tout ce que je vous ai dit, regroupé sur les trois catégories. Ces trois catégories, ça correspond plus ou moins aux trois types, aux trois niveaux de la réglementation. Donc pour avoir le simple A, le double A, le triple A, il faut respecter ces bonnes pratiques. C'est des erreurs qui ne sont pas bloquantes. Lui, il est remonté en erreur parce que c'est pas bloquant pour l'application. Par contre, c'est des erreurs qui pourraient être bloquantes pour certains utilisateurs. Donc, d'où cette notion d'erreur, ça ne vous empêchera pas de compiler et d'exporter votre solution. Par contre, faites attention parce qu'il y a certains utilisateurs, si vous avez des éléments dans la partie erreur comme là, qui pourraient ne pas utiliser correctement l'application parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est peut-être différent du vôtre, ou qui ont des capacités réduites, et voilà. Donc, au moins, la partie erreur, il faut y faire attention, et après, s'il y a des besoins particuliers vraiment identifiés ou un besoin en détail, dans ce cas-là, on corrige d'abord l'erreur, après le warning, et ensuite, on regarde les tips. Je ne sais pas, niveau temps... J'avais prévu une petite démo. Mais... On est un peu juste au niveau temps. On est déjà à 25 minutes. Donc, Ok, non, mais je termine dans ce cas-là. De toute façon, la démo, c'était juste vous remontrer tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Juste après ou pendant la maintenant. Oui. Donc, pour conclure, l'accessibilité, on a tendance à croire que ça ne nous concerne pas tous. Sauf que là, aujourd'hui, si on fonctionne tous sur une application, on va tous avoir des fonctionnements différents. Donc, ça nous touche absolument tous. Il n'y a pas à faut être vigilant au quotidien et sur chaque application, même une application qui a un petit périmètre, il faut attention. Il faut identifier le niveau souhaité de l'application. Donc, forcément, le A, on va tous essayer d'y aller. Après, s'il y a un besoin qui est vraiment identifié, un besoin fort, et qu'on sait qu'il y a réellement un besoin d'une personne malentendante ou aveugle, on fait attention sur vraiment le niveau souhaité et aussi inclure du coup cette personne-là pendant les ateliers de développement et notamment avec les personnes aussi de la communication pour bien montrer qu'il y a une importance sur les contrastes, etc. Et donc là, après, généralement, il y a un compromis à trouver entre le besoin d'accessibilité, ce qu'on veut faire. On veut tous faire une application très accessible et après, de voir avec la communication pour respecter quand même les chartes graphiques de l'entreprise ou du client. Donc, après, c'est
le juste milieu à trouver. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, pas de questions, mais moi j'ai envie de faire un petit sondage, tiens. Dans le chat pour faire. Les gens sont peut-être en train de manger ou de dormir, je ne sais pas, c'est la sieste. Du coup, moi, curieusement, je suis intéressé pour savoir dans le chat si n'hésitez pas à mettre. Si vous vous préoccupez de ce que dit Clotilde, hein, c'est-à-dire si on fait de l'accessibilité ou pas. Et si le ou pas, bah pourquoi en fait vous voilà pourquoi vous le faites pas, manque de temps, manque de budget, etc. Pas la priorité. Voilà, le but c'est peut-être que Clotilde après pourra rééchanger avec vous dans le chat oui. Si vous avez des commentaires. Donc ouais, n'hésitez pas à interagir avec nous. Je suis curieux de voir vos réponses. Et donc en attendant, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Bah c'est à toi, Tristan. La scène est à toi. Bonjour à tous, merci Aurélien, merci Clotilde aussi pour cette session. Je vais essayer de rebondir peut-être à un moment donné, je vais montrer un petit rapport Power BI, j'essaierai de rebondir sur ce que tu montrais. Donc, me concernant, Tristan, cofondateur d'une société de conseil et co-gérant du club Power BI aussi, pour ceux qui connaissent, le club des utilisateurs Power BI en France. Donc, aujourd'hui, forcément, je vais vous parler de Power BI, mon outil favori. Et je vais notamment vous montrer comment analyser des grosses volumétries de données avec Power BI. Cette session, je l'aime particulièrement parce qu'elle me permet de lutter contre une idée reçue qui circule trop facilement, je trouve, dans l'écosystème Data BI, à savoir l'idée selon laquelle Power BI ne serait pas capable d'analyser des grosses volumétries de données. C'est évidemment faux. Et le but de cette session, c'est de vous montrer comment et pourquoi. Donc, sur cette démonstration, alors évidemment, j'ai que 20 minutes, donc je ne pourrais pas tout vous montrer. Je m'appuie sur une fonctionnalité dans Power BI qui s'appelle les agrégations. Cette fonctionnalité va me permettre, si vous voulez, d'agréger certaines tables en mode import, qui est l'un des modes de connexion disponibles dans Power BI. Comme vous le savez, on peut importer les données dans Power BI. C'est d'ailleurs le mode de connexion qu'il faut utiliser par défaut quand vous travaillez sur vos cubes et sur vos reports Power BI. On a également la possibilité de se connecter depuis Power BI en direct query à une source de données. Pas pour toutes les sources, mais pour certaines, notamment des bases de données comme SQL Server, Synapse, Oracle, Redshift, Google BigQuery ou autre. Et donc, depuis quelques années, à peu près 2018, 4 ans, il y a une fonctionnalité qui existe dans Power BI qui s'appelle les modèles composites et qui permet justement de pouvoir, au sein d'un même modèle de données, croiser des tables qui n'ont pas le même mode de connexion. Les agrégations, donc la fonctionnalité que je vais utiliser dans cette session pour justement analyser les grosses volumétries de données, les agrégations font partie d'un sous-ensemble de cette fonctionnalité qui consiste justement à croiser de manière astucieuse et intelligente certaines données en mode import avec certaines données en mode direct query. Alors, petite précision, la fonctionnalité que je vous montre aujourd'hui n'existe que dans Power BI. Alors, j'aurais peut-être dû updater ma slide puisqu'il y a SSAS 2022 qui est sorti il n'y a pas longtemps et je crois que les agrégations sont désormais disponibles dans SSAS 2022, tabulaire local. En revanche, ce n'est toujours pas disponible dans Azure Analysis Services, ni dans les cubes multidimensionnels, hein, évidemment, qui ne sont plus très mis à jour par Microsoft depuis plusieurs années maintenant. Donc là, c'est vraiment une fonctionnalité pure Power BI que je vous montre, qui est disponible en pro et en premium. Vous le voyez en haut de l'écran, il y a deux types d'agrégations, les manuelles et les automatiques. Moi, je vais vous montrer les agrégations manuelles, qui sont celles qui marchent, qui fonctionnent et qu'on peut utiliser concrètement, et qui marchent sur pro et sur premium. Les agrégations automatiques, elles, pour moi, c'est encore un petit peu ce que j'appelle parfois un Gartner feature, c'est-à-dire un feature pour faire plaisir à Gartner. Mais globalement, ce n'est pas encore vraiment très utilisé aujourd'hui dans l'écosystème. Donc moi, je vais vous rentrer sur l'agrégation manuelle. Alors concrètement, comment ça marche? Là, je vous montre un extrait d'un modèle de données Power BI qui utilise justement cette fonctionnalité d'agrégation. Donc concrètement, la technique, elle est assez simple. En fait, on va supposer que vous travaillez avec des grosses volumétries de données. Bah, la grosse table qui est très volumineuse, on va partir du principe que elle, vous ne pouvez pas l'importer dans Power BI, et donc on va utiliser le mode direct query, c'est-à-dire que les données ne sont pas importées côté Power BI, elles restent côté base de données, côté source de données, et Power BI envoie des requêtes SQL dessus. Ce mode de connexion, je répète, il n'est pas utilisé par défaut. Il est attirant parce qu'on a l'impression d'être en temps réel sur ces données, on a l'impression de pouvoir faire des choses très puissantes sans avoir à restocker la donnée côté Power BI, néanmoins, il est peu optimisé et adapté à des usages self-service BI.
En tout cas, ici, je l'utilise parce que je pars du principe que ma table, ma grosse table, est trop volumineuse pour Power BI et donc je ne veux pas l'importer côté Power BI, je la laisse côté base de données. C'est le cas ici de ma table New York Trips. Donc, j'analyse des trajets de taxi, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, cette table, elle comprend des trajets de taxi, plus de 300 000 en ligne, et elle est en mode Direct Query, que j'appellerai DQ, Direct Query. Et puis, j'ai la même version de cette table en mode agrégé. J'ai fait des groupes by en SQL, en gros, grosso modo. J'ai agrégé certaines dimensions, certains axes d'analyse de ma table New York Trips. Et cette table AG1, que vous voyez ici, elle est en mode import. Donc, j'ai bien importé les données côté Power BI pour doper la performance. Et parce que là, cette table, forcément, vu qu'elle est plus agrégée, elle est moins volumineuse. Et a priori, je peux me permettre de la stocker côté Power BI. Et puis, vous le voyez, j'ai des petites tables ici qui sont avec des petites hachures, calendrier, les types de paiement, les vendors, donc c'est les acteurs des compagnies de taxi à New York, puisqu'ici on est sur les taxis de New York. Et donc ces tables-là, elles utilisent un mode de connexion qui va permettre justement de s'adapter entre les deux modes. Donc c'est ce qu'on appelle le mode double. Ces tables de dimension, donc calendrier, paiement et vendor, vont permettre d'alterner soit donc en fonction de la granularité de la requête et de vos visuels, soit elles vont permettre d'aller taper dans la table agrégée en mode import, la plus optimisée, soit elles redirigeront la requête en SQL sur la table en Direct Query New York Trips lorsque nécessaire. Alors, pour ceux qui découvrent un peu Power BI, effectivement, cette session a quand même un certain niveau technique. J'utilise beaucoup de vocabulaire, Direct Query, SQL, base de données, import, granularité, hein, ce sont des concepts BI. À la fin, je vous donnerai peut-être un petit glossaire si vous voulez creuser un peu tous ces termes-là. Bref, donc ici, c'est mon modèle de données qui utilise justement les agrégations. Et on va aller regarder tout de suite sur un vrai cas d'usage concret comment on met tout ça en place. Alors, les données que j'utilise pour ma démonstration, c'est des données qui sont disponibles ici sur le web, les taxis New York. Alors, depuis quelques temps, maintenant, ils mettent à disposition des fichiers parquet. C'est le format un peu à la mode maintenant, notamment quand on a des grosses volumétries. Qu'on peut traiter avec un ETL comme Azure Data Factory, par exemple, ou même Power Query, bon, qui n'est pas encore un ETL, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais de la volumétrie, puisque je voulais utiliser les agrégations, j'avais besoin de charger ces données dans une source de données qui supporte le langage SQL et sur laquelle je peux me connecter en Direct Query depuis Power BI. J'ai donc choisi, bêtement et simplement, une base de données Azure SQL Database dans laquelle j'ai récupéré ces données brutes, je les ai stockées, je les ai un petit peu transformées. Là, vous voyez l'extract, j'ai fait un top 1000 sur la table. Donc là, vous voyez les tables brutes fines concaténées. Donc là, j'ai les données des 4 ou 5 dernières années. Et concrètement, dans ma table, vous voyez, j'ai un certain nombre de colonnes qui m'indiquent pour chaque trajet quand est-ce que le passager est récupéré, quand est-ce qu'il descend, combien il y a de passagers, où est-ce qu'il est récupéré, où est-ce qu'il descend. Ça, c'est des codes propres à la ville de New York que je vais cartographier un peu plus tard dans ma démonstration. Le type de paiement et puis des indicateurs numériques, la distance en kilomètres, la durée, les tips, donc est-ce qu'il y a eu des tips à la fin de la course ou pas, et le montant de la course, tout simplement. Donc ici, dans cette base de données, une ligne égale un trajet. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a un certain nombre de trajets quand même à New York. En l'occurrence, ici, si on prend les 4 ou 5 dernières années, j'ai à peu près 320 millions de trajets à analyser. Et l'enjeu, c'est de réussir à pouvoir croiser les données sur tous les niveaux de détails possibles, donc à la fois les mailles agrégées, si je veux juste savoir combien il y a de trajets par jour, quel est le montant moyen de la course par mois, voilà, donc ça, ce sont des données, on va dire, agrégées, et à la fois, j'ai envie d'avoir un report qui me permet de aussi pouvoir passer, lorsque nécessaire, sur des niveaux de détails beaucoup plus fins, en l'occurrence ici, la maille la plus fine, le niveau de détail le plus fin, c'est carrément le trajet. Alors, éventuellement, dans certaines analyses, je peux analyser le trajet. Alors, prenons du recul 30 secondes, là, je vous montre un exemple sur des trajets de taxi, vous pourriez généraliser ça à n'importe quoi. Des factures, des écritures comptables. Voilà, la BI, c'est ça. Vous avez de la donnée fine, vous l'agrégez, et puis quand nécessaire, quand vous avez besoin d'investiguer ou de comprendre, vous voulez descendre à une maille fine. Ici, ma maille fine, c'est mon trajet. Vous, ça peut être une facture, une écriture comptable. Hein. Il y a certaines grandes boîtes où il y a plusieurs dizaines de millions d'écritures par an. Donc voilà, ça peut être intéressant d'utiliser aussi cette fonctionnalité. Bref. Restons sur les taxis. Donc, j'ai cette grosse table à plus de 300 millions de lignes, et puis j'ai un certain nombre de référentiels qui lient à chaque code mes attributs. Donc, la première chose à faire quand on veut utiliser les agrégations, c'est de se dire, est-ce que j'en ai besoin? Alors là, typiquement,
j'aurais pu me connecter en mode direct query à cette base de données. Ce n'est pas forcément une bonne idée, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le direct query offre un avantage qui est de pouvoir envoyer des requêtes en SQL en temps réel à la base de données. Donc effectivement, dans Power BI, j'ai ce mode de connexion disponible. Quand je me connecte à une base de données depuis Power BI Desktop, j'ai bien le mode direct query qui est disponible. D'accord ? Néanmoins, pour ce cas-là, et même de manière générale, c'est une assez mauvaise idée d'utiliser uniquement le mode direct query tout seul. Je pourrais répondre à d'éventuelles questions dans le chat là-dessus si besoin. L'autre alternative, c'était d'utiliser que le mode import. Là, je l'ai fait sur un exemple, je peux vous montrer rapidement. J'ai importé toutes les données dans mon cube Power BI. Donc là, je n'ai pas utilisé les agrégations. J'ai importé les 300 millions de lignes dans Power BI. Oui, on peut le faire. Ainsi que mes tables de dimension. Sauf que j'obtiens un jeu de données qui va être un peu compliqué à manipuler. Déjà, ce jeu de données, on va les regarder ici. Il fait, c'est celui-là, ça c'est un cube Power BI qui utilise le mode import sur mes taxis. Il fait 3.6 gigas. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Power BI, déjà, première limite, ce jeu de données ne tient pas en Power BI Pro, puisqu'en Power BI Pro, le cube ne peut pas faire plus de 1 giga. Le jeu de données Power BI ne peut pas faire plus d'un giga. Donc là, déjà, j'ai réussi à importer les données, mais je dois forcément basculer sur un modèle premium. Ici, je suis sur une licence capacitaire. Mon dataset est trop gros, puisque j'ai tout importé, toutes les données, et donc il est au-dessus du 1 giga, et donc il me force à utiliser premium. Le deuxième problème que j'ai avec ce dataset, c'est son temps de rafraîchissement. Forcément, vu qu'il est lourd, vu qu'il est costaud, eh bien, pour le rafraîchir, on va revenir ici, vous allez voir tout de suite l'exemple. Pour rapatrier toutes les données, j'ai mis 1h15, bon, ce qui est déjà pas mal. Oui, on peut importer 300 millions de lignes en 1h15 dans Power BI. Donc, concrètement, j'ai rapatrié les données de ma base Azure SQL vers mon cube Power BI, à peu près 1h15. Alors, certes, il existe des techniques dans Power BI qui permettent de faire de l'incremental refresh, par exemple, pour pouvoir rafraîchir que les 5 derniers jours ou les 3 derniers mois. Ça me permettrait sur tous mes refreshs suivants d'avoir des rafraîchissements de dataset Power BI assez optimisés. Néanmoins, j'ai quand même un dataset qui est lourd et qui potentiellement prend du temps à se recharger, notamment si je veux faire des rechargements d'historique. Donc ça, c'est quand même deux problèmes majeurs. Gros jeu de données, volumineux et lent à se rafraîchir. Le troisième problème que j'ai, je ne vais pas forcément vous le montrer là, il faudra me croire pour le voir, c'est qu'en fait, toutes vos requêtes, donc y compris des visuels agrégés où vous voulez juste savoir le nombre de trajets de taxi qu'il y a eu sur un mois ou au global, à chaque fois, ça va scanner les 320 millions de lignes. Et en réalité, dans la plupart des questions métiers que vous vous posez, il y a rarement besoin de tout le temps scanner toutes les données. Souvent, les premières questions que vous vous posez, ce sont à des mailles, à des niveaux de détail agrégés. Et donc, c'est là que rentrent en compte les agrégations. On va agréger certaines tables en mode import et on va laisser la table de détail en direct query. Donc concrètement, le préalable, c'est de faire une petite étude exploratoire pour pouvoir déterminer quel est le coût, c'est-à-dire quelle est la volumétrie d'un axe d'analyse. Donc, j'ai fait une petite étude exploratoire en SQL, j'aurais pu la faire en DAX d'ailleurs, où j'ai agrégé ma table de données fines, donc c'est celle-là, la table TRIPS, à 325 millions de lignes, et j'ai regardé quels sont les axes d'analyse qui sont coûteux. Donc, par exemple, ma table ici, AG1, elle agrège. Donc, elle récupère ces 5 axes d'analyse, la date, le vendor, rate, store, les types de paiement. Cette table représente 102 000 lignes, c'est-à-dire 0,03% de la table de départ, la table qui est en direct query. Avec ces 102 000 lignes, je peux déjà répondre à une quantité phénoménale de questions métiers. Combien j'ai eu de trajets par jour, par vendor, par rates, etc. etc. Et c'est tout le but des agrégations. Plus vous arrivez à agréger des données qui répondent à un nombre de questions métiers importants, plus l'agrégation en vaut la peine. Alors, vous l'avez compris ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré dans mon modèle tout à l'heure, mais on peut créer plusieurs tables d'agrégation en cascade. Et c'est tout l'intérêt. Donc, ici, j'ai créé une table d'agrégation numéro 2, dans laquelle j'ai rajouté en mode import dans une autre table la pickup location, donc c'est un axe d'analyse supplémentaire. Là, la volumétrie explose un peu plus, puisque je passe de 100 000 à 3 millions de lignes. Ça, c'est le nombre de lignes. Mais je reste très loin des 325 millions de lignes. Avec ces 3 millions de lignes, ça représente à peu près 1% de la taille globale de ma table initiale. Je vais pouvoir répondre à encore plus de questions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai fait une agrégation numéro 3 où je mets la drop-off location et vous remarquez que j'ai laissé en direct query le pick-up time et le drop-off time. Donc, c'est l'heure, minute, seconde à laquelle la personne est récupérée puis déposée. Alors là, c'est un exemple. Est-ce qu'il faut toujours créer 3 tables d'agrégation? Non, pas forcément. Ça va dépendre de vos cas d'usage. Tout ce qui compte, c'est de bien comprendre
dans quel contexte vous êtes, de faire cette étude exploratoire pour mesurer quel est le coût en termes de performance et de volumétrie de chaque axe d'analyse dans vos grosses tables, et ensuite, vous arbitrez en fonction de vos cas d'usage, en fonction de vos capacités, de ce qu'il va falloir définir ou pas. Alors, il y aurait plein de questions, hein, comment on agrège ces tables, est-ce qu'on fait une vue, est-ce qu'on fait une procédure stockée en SQL. Bon, j'aurais pas le temps de rentrer dans ce débat là-dessus aujourd'hui, mais globalement, je me suis débrouillé, moi, en SQL, j'ai utilisé des procédures stockées, pour pré-agréger ces tables en amont en SQL, et ensuite, j'ai branché Power BI dessus. Alors, comment ça se passe côté Power BI? Bah, j'ai un modèle qui a l'air complexe, mais en fait, il n'est pas tant que ça. Globalement, j'ai importé mes trois tables de fait, AG1, AG2, AG3, en mode import. Ces tables de fait, elles ont un modèle en étoile sur les dimensions qui ont été agrégées. D'accord? Donc là, je retrouve les axes d'analyse propres à mon agrégation 1. Pareil pour AG2, j'en ai un de plus. Je ne sais plus lequel, le pickup location, il est là. AG3, bah, j'en ai encore un de plus, le pickup location et le drop-off location. Et puis là, j'ai ma grosse table en direct query. Donc, si on résume, j'ai fait une étude exploratoire, j'ai importé certaines tables en mode import, ce sont mes tables agrégées. J'ai importé ma table fine en direct query, donc j'utilise donc un modèle composite. Il ne me reste plus qu'à faire une seule chose, c'est de venir ici, alors mes tables agrégées, je les ai cachées, c'est une petite bonne pratique, clic droit, gérer les agrégations, et sans coder, ici, je vais mapper chacune des colonnes de mes tables d'agrégation vers ma table en direct query. Ça, c'est une fonctionnalité absolument géniale parce que ça va me permettre la chose suivante. Ça va me permettre, sans avoir à faire de if en DAX, vous savez, le DAX, c'est le langage dans Power BI qui permet de créer des indicateurs métiers. Grâce à ce mapping entre mes tables d'agrégation et mes tables fines, direct query, le moteur VertiPack, donc Power BI, va comprendre tout seul vers quelle table il faut aller diriger la requête en fonction de sa granularité. Autrement dit, si je fais un visuel qui regarde juste le nombre de trajets par jour, il va aller requêter cette table en priorité. Si en revanche, j'utilise un visuel qui utilise le champ pickup location, il va aller là-dedans, il va aller là-dedans. Donc vous voyez, il y a une question d'ordre de priorité entre les tables d'agrégation. Il va devoir déterminer si vous voulez le chemin le plus court et le plus optimisé. Donc pour ça, il faut mapper ces tables d'agrégation vers la table en direct query et puis définir un niveau de précédence, c'est-à-dire un niveau de priorité. Une fois qu'on a tout ça, et je vais terminer là-dessus, une fois qu'on a bien modélisé son cube Power BI, si vous regardez bien, mes mesures dans ce cube-là, dans ce cube Power BI, elles requêtent, vous allez voir par exemple ici, toutes mes mesures envoient, enfin, les formules référencent la table en direct query. Je ne référence jamais les tables d'agrégation. Et c'est ça l'intérêt de cette fonctionnalité. C'est que toutes mes mesures et tous mes calculs, je les base sur la table détaillée en direct query. Et grâce à mon modèle composite, grâce à l'agrégation, grâce au mapping que j'ai fait entre mes tables d'agrégat et mes tables fines, c'est Power BI tout seul qui va aller rediriger ma requête vers la bonne table. Et le but, évidemment, c'est d'aller taper à chaque fois dans la table d'agrégation la moins volumineuse, puisque du coup, ma requête sera la plus performante. Et c'est bien là tout le but. Alors, je termine là-dessus. Quels sont les avantages d'avoir utilisé le mode agrégation? Vous allez vite le voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais expliqué que j'avais un jeu de données qui était un petit peu volumineux. Là, le même jeu de données maintenant, forcément, vu que j'ai agrégé moins de données, si je vais dans le storage, dans le stockage de mon Workspace Power BI, hop, je suis passé sous la barre des 1 giga, 400 mégas. Donc déjà, hop, je redeviens éligible à la licence Power BI Pro, puisque je suis en dessous du 1 giga. Je rappelle que la fonctionnalité, tout ce que je vous montre là, marche aussi en Pro. Il n'y a pas besoin de Power BI Premium. Donc là, j'ai un jeu de données qui est en dessous d'un giga. Donc, première cas d'usage concret qu'on voit tout de suite, mon jeu de données est plus petit. La conséquence directe de ça, c'est qu'évidemment, il est beaucoup plus rapide à se processer. Pardon, je n'ai pas choisi le bon, c'est celui-là. Si je vais ici dans l'historique d'actualisation, mon jeu de données, vous voyez, il met à peu près 8 minutes pour rapatrier l'historique et il met même 40 secondes pour rapatrier les données fines. J'ai mis en place de l'incremental refresh. Pardon, pas les données fines, les données récentes. J'ai mis en place de l'incrémental pour doper la performance de mon dataset Power BI. Donc, si je voulais faire un titre d'article un peu putaclic ou intéressant sur les réseaux sociaux, je pourrais dire, par exemple, comment analyser et rafraîchir 320 millions de lignes avec Power BI en 45 secondes, puisque c'est le temps de processing du cube que j'obtiens actuellement grâce à une combinaison astucieuse des agrégations et de l'incrémental refresh. Donc, j'ai un jeu de données qui est plus petit, qui met moins de temps à se processer.
Le troisième avantage qui est super intéressant, c'est que du point de vue reporting, j'ai un truc qui va super vite. Mes utilisateurs ne souffrent jamais, ils ne comprennent même pas qu'il y a une grosse volumétrie derrière. Alors, je termine là-dessus. Ici, vous voyez, j'ai une petite mesure qui compte le nombre de lignes dans la table. Je vais la glisser là-dedans. Donc, cette mesure compte le nombre de lignes dans la table. Hop, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Là, il vient de scanner 300 millions de lignes. Enfin, ça, c'est ce que l'utilisateur croit. En réalité, il a renvoyé la requête sur ma table à 100 000 lignes. Et c'est pour ça que c'est rapide. Ici, je ventile par jour. J'ai 300 millions de lignes. Boum, en une demi-seconde, j'ai analysé mes 300 millions de lignes parce qu'en fait, il tape dans la table régression. Ici, si je mets un agrégat, par exemple, de la pick-up location, vous vous souvenez, c'était un des axes qui était dans la table numéro 2. On va ventiler ça, par exemple, par borrow. Vous voyez, la rapidité, ce n'est pas de la triche. Hein. J'ai bien mes 300 millions de lignes. Hein. Vous voyez ici, j'ai un count rows. Pourquoi? Parce que ma performance front est très intéressante, parce que justement, il redirige les requêtes vers l'état d'agrégation agrégée. Alors, maintenant, l'idée, c'est de se dire, OK, mais là, pour l'instant, ce que tu as montré, c'est rapide, parce que tu tapes que dans les requêtes, que dans les tables agrégées. Qu'est-ce qui se passe si tu veux vraiment avoir le niveau de détail le plus fin? Parce que c'était quand même ça, le but de l'exercice. C'était grosse performance sur les niveaux agrégés et possibilité de quand même extraire le détail. Alors, on va terminer là-dessus. Ici, j'ai une page de mon rapport extrêmement rapide où mes utilisateurs ont l'impression d'être des génies puisqu'ils analysent 300 millions de lignes en une demi-seconde. Et donc, ici, imaginons que je souhaite avoir le détail de certains trajets. On va prendre l'aéroport JFK. D'accord ? Donc là, c'est, vous retrouvez les fameuses zones de la carte à New York. Donc JFK, on va prendre tous les trajets JFK qui sont arrivés à JFK qui ont été payés en cash par cette compagnie. Je descends sur février 2019. Donc là, j'ai à peu près 538 trajets. Alors là, on voit quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est que les bonnes pratiques de DataViz s'alignent avec le Big Data. En DataViz, on doit toujours faire des rapports en entonnoir où on part d'une vision agrégée et on part sur un niveau de détail. Et bien là, c'est parfait, parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que je fais une analyse pré-agrégée sur des mailles pas trop détaillées, justement. Comme ça, j'ai une bonne vision d'ensemble. Et ensuite, clic droit, donne-moi le détail de ces trajets. Là, je vais basculer mon analyse vers la table en direct query. C'est pour ça que ça mouline un petit peu. Là, je demande d'avoir le détail précis des trajets avec à chaque fois l'heure à laquelle la personne est récupérée, l'heure à laquelle la personne est déposée. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Il a quand même réussi à m'extraire les 538 trajets qui, eux, sont dans aucune table d'agrégat. Ils sont en direct query. Mais grâce à la combinaison astucieuse des agrégations, des modèles composites et de la manière dont j'ai construit mon report, j'amène mon utilisateur d'une maille agrégée vers une maille fine. Et ce qui est génial, c'est que là, on a la réunion de deux mondes, les experts de DataViz et les experts de Big Data. La DataViz a des bonnes pratiques qui correspondent exactement à la manière dont on est censé naviguer dans son rapport quand on veut analyser des grosses volumétries de données. Donc, c'est absolument génial. Je conclue en disant, désolé, je suis allé un peu vite, hein, c'est compliqué de faire 20 minutes là-dessus. Les agrégations sont une fonctionnalité très puissante. Dataset plus léger, plus rapide à se rafraîchir, meilleure performance front. Ça marche en pro, donc utilisez-le. Le seul prérequis, c'est qu'il faut que il faut que votre source supporte le mode direct query. Donc ça marche par exemple avec Dataflow sur Premium, avec une base SQL, Redshift, BigQuery, Oracle. Bon, évitez Oracle, je rigole. Mais voilà. Je ne sais pas si Aurélien l'a mis dans le chat, mais j'ai fait une session beaucoup plus détaillée là-dessus, d'une heure à peu près, où je rentre beaucoup plus dans le détail. Donc, je vous encourage à aller la regarder. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions si besoin. Désolé, je suis allé un peu vite. C'était vraiment dur de présenter ça en 20 minutes. Super. Il y avait juste une question de Benoît qui te demandait si les tables hachurées étaient bien en mode direct query. Les tables hachurées, non. Elles sont en... Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Elles ont un mode qui s'appelle dual ou double. En fait, elles sont à la fois en import et en direct query. Et c'est grâce à ça, justement, que la dimension, si vous voulez, elle joue un peu le rôle d'aiguillage. Hein. Soit elle va aller taper dans le mode import, soit elle va aller taper dans le mode direct query. Donc, pour pouvoir taper dans le mode import, dans les tables agrégées, il faut qu'elles soient en mode import. Mais pour pouvoir aussi aller requêter la table en direct query, il faut qu'elle soit aussi en direct query. Et donc, Microsoft a introduit un nouveau mode de stockage pour les tables depuis les agrégations qui s'appelle le mode double, c'est-à-dire à la fois import et direct query. Super. Ouais, j'ai repartagé le lien. Ceux qui veulent aller encore plus loin, revoir ta session que tu avais fait sur ce sujet. Et je vois pas d'autres questions. Mais c'est assez impressionnant par contre. Enfin, moi je suis impressionné. Mais...
Ouais. Si les autres le sont, mais... C'est déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Bah, n'hésitez pas toujours à interagir sur le chat, comme avec le TID, hein, sur, si vous avez des questions plus détaillées à Tristan, je pense qu'il pourra répondre sur le chat. Et puis, du coup, bah, merci en tout cas, Tristan. Et bah, David va finir en beauté sur les news. En plus, je crois qu'il y en a beaucoup. Il y en a, ouais, il y en a pas mal. On a fait une sélection, on n'a pas tout présenté, parce qu'on ne peut pas, sinon on va passer une heure. Mais globalement, on fait une petite sélection. On vous met les liens à chaque fois dans chacune des diapos pour aller rechercher l'info. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, j'ai 10 minutes max. Alors, la première, c'est qu'il y a une nouvelle version du CLI Microsoft Power Platform. Donc, grosso modo, dans cette nouvelle version, on va avoir la possibilité de gérer des connecteurs directement dans une ligne de commande, de pouvoir aussi gérer l'import-export de données, parce que quand on importe d'un côté des solutions qu'on met en place dans différents environnements, souvent, bah, on se retrouve pas toujours avec les mêmes données. Donc là, on a la possibilité de l'inclure dedans. Il y a le support d'authentification par certificat qui était pas mal demandé aussi par les utilisateurs, et donc vous retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu moins le CLI Power Platform Tool, grosso modo, ce sont une interface de commande en ligne pour les développeurs qui leur permettent d'interagir avec la Power Platform en saisissant un peu de code et qui leur permet de faciliter les déploiements entre les différents environnements et d'automatiser un peu avec DevOps, par exemple, le déploiement entre les différents environnements. Donc, si vous ne connaissez pas, regardez. Et là, il y a quelques nouveautés sur ces sujets-là qui sont intéressantes. Ensuite, il y a la sortie d'un kit d'automatisation, un peu comme le centre d'excellence, mais cette fois-ci autour de projets d'automatisation. L'idée là, c'est de passer un cap en termes de projets d'automatisation dans l'organisation. On n'est plus sur des petits pots automates à droite à gauche. On est là sur un kit qui va vous déployer des solutions pour vous aider à gérer des projets d'automatisation, à réunir des personnes autour des équipes, à définir des KPI et à manager ces projets et à sortir aussi des ROI de ces projets d'automatisation. Parce que quand on fait un projet d'automatisation, ce que l'on veut, c'est gagner en efficacité, gagner en aspect financier. Et donc, du coup, là, c'est des outils qui vous permettent de faire ça, en tout cas d'initier la démarche pour faire des gros projets d'automatisation dans les organisations. Donc, allez voir, c'est intéressant. Je pense que c'est pour l'instant encore une première version et il y aura d'autres évolutions. Alors, PowerFX, on va de plus en plus en parler. Grosso modo, PowerFX, on va en parler de plus en plus parce que l'objectif de Microsoft, c'est de rassembler, enfin, de ramener un peu les utilisateurs qui utilisent Excel, qui sont habitués des formules Excel, etc., d'utiliser à peu près ces mêmes formules dans la Power Platform. Et donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, encore en pré-version, qui est les formules nommées. Donc, on les retrouve dans Excel. Donc on peut dire à tel endroit, je mets une formule sur telle cellule et après, je peux l'utiliser ailleurs dans Excel. On retrouve maintenant cette fonctionnalité disponible dans la Power Platform, Power Apps et Power Automate. Et donc, du coup, cette formule, l'avantage, c'est que quand elle est définie, elle est immuable. Là où avant, peut-être, vous utilisiez des variables, des collections et qu'il fallait les rafraîchir ou les alimenter, là, vous avez utilisé cette formule dont la valeur est toujours renseignée. Voilà. Alors, il y a, pour ceux qui connaissent un peu aussi, qui ont travaillé un peu sur les chaînes JSON, dans Power Automate, ce qui est barré ici, donc c'est toujours fonctionnel, on peut toujours le faire, hein, si vous voulez utiliser les expressions régulières pour sortir des informations d'une chaîne JSON, vous pouvez toujours le faire. Mais maintenant, il y a une fonctionnalité qui arrive là, qui est le parse JSON. Vous voyez là, c'est beaucoup plus facile à interpréter et beaucoup plus facile à utiliser comme formule pour parser un JSON et retourner des informations. C'est aussi plus dynamique, plus efficace, parce que le JSON, il peut changer un peu de forme. On arrive quand même à retrouver l'information. Si on a des expressions régulières, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une des fonctionnalités qui arrive qui est la première, mais ce ne sera pas la dernière, et qui en va encore dans le sens de PowerFX.
et d'avoir quelque chose de plus simple à utiliser. Alors, j'ai envie de dire, quand on crée des applications, il faut toujours penser à la sécurité. Et là, de plus en plus, on retrouve des fonctionnalités assez avancées sur la Power Platform qui permettent de mieux sécuriser nos applications. Là, l'objectif, là, cette fonctionnalité qui arrive, qui est en preview, c'est de permettre, enfin, j'ai envie de dire, la possibilité d'éviter des attaques de clickjacking ou d'intersites, en fait, entre les applications. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste à falsifier le clic qui est fait sur une application pour faire une autre action. Donc, c'est une technique de hacking. Et donc là, on a la possibilité d'avoir des reports maintenant et de paramétrer ces fonctionnalités. Donc les personnes de la sécurité RSSI vont trouver ces fonctionnalités intéressantes. Enfin, la recherche pour ceux qui utilisent Dynamics ou les modèles Driven de manière générale ou Dataverse, dans la recherche Microsoft mutualiser Bing ou autre, et bien maintenant on peut avoir des résultats qui viennent de Dataverse ou des solutions Dynamics. Donc ça va se présenter sous un encart Dynamics et ça permet de remonter des informations. Si je prends la recherche Bing, on peut intégrer le moteur Bing et faire en sorte que l'utilisateur puisse rechercher sur le web comme il peut rechercher aussi au sein de son entreprise des informations. Et donc les informations qui sont dans Dataverse et dans Dynamics vont pouvoir maintenant remonter dans ces recherches là y compris dans les recherches, la recherche Office, de manière globale, et SharePoint. Voilà. Je vais vite, le temps court. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, etc., on en voit de plus en plus. Heureusement qu'on est de plus en plus aussi à pouvoir y répondre. Sur le PPFC, si vous avez des questions et problématiques, posez-la, et puis il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre assez rapidement, des fois dans le quart d'heure, au minimum dans l'heure. On est toujours intéressé par vos remarques pour faire évoluer le modèle. Ou si vous voulez voir d'autres sessions, d'autres manifestations de la communauté, n'hésitez pas à remplir ce formulaire de satisfaction, puis juste une enquête. Et puis, on se fera un plaisir de regarder les résultats. Voilà. Je me tourne vers la question, s'il y a des questions. Aucune remarque. Ouais, le PPFC, pour info, je regardais, là, on est à 370 membres, sachant qu'il a été lancé il y a à peine un an. Donc, on l'avait lancé au PPFS 2021, quasiment, je crois. Donc, ouais, la communauté grossit beaucoup, ouais. Et donc, alors c'est des questions assez techniques, mais vous avez des questions... sur ForApps, sur Automate, Dataverse, même pour BI, tu vois, Tristan. donc, on a différents forums, en fait. C'est un forum, globalement. Et donc, francophone, voilà, tout est en français. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est totalement gratuit. Hein. Et donc, ça peut être fort intéressant quand vous êtes bloqué sur un sujet, vous voulez un retour sur des bonnes pratiques, reparler d'accessibilité comme l'a fait Clotilde sur différents éléments, enfin voilà. Ouais. Et c'est pas toujours que technique. Alors, des fois, il y a des questions, par exemple, sur des retours d'expérience, sur le déploiement de PowerApp, Power Automate ou de stratégie TCM Developer. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la Power Platform d'une manière générale. Et des fois, c'est fonctionnel, des fois, c'est technique, organisationnel, etc. Voilà. Eh bien, merci encore à Tristan et à Clotilde pour vos deux sessions. Et puis, si je dis pas de bêtises, le prochain, comme d'habitude, puisque c'est tous les derniers mercredis du mois, donc normalement fin octobre. C'est le 26 octobre à 13h. Voilà, c'est ça. Merci David. Donc ouais, le prochain 26 octobre à 13h. Et donc pour rappel, ceux qui sont arrivés après coup, les inscriptions du PPFS sont ouvertes. Ne tardez pas à vous inscrire. Voilà. Merci à tout le monde. Et peut-être demain au Power 365 pour ceux qui y seront. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup, Aurélien et David, pour l'opportunité. Bye bye.
Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Merci.